Et salut! Eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo retour de, non pas course, mais autour de marché, parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Alors j'aurai mon petit assistant avec moi aujourd'hui, donc il va te faire un petit coucou de ses mains. Salut, salut! Salut! Impeccable. Eh bien écoute, on démarre tout de suite. Alors, tu sais que le dimanche, moi, je fais un budget uniquement donc, pour le marché. Donc, je vais chercher mon pain qui va donc du dimanche au mercredi, parce que mon mercredi, il y retourne le mari. N'importe quoi. Mon mari, il y retourne le mercredi. Ah bah, ça commence mal. J'ai pris le soleil toute la semaine. Hein, donc là, je t'assure que la vidéo, même pas, je la... Et tu sais quoi? Je la filme, je la balance. Même pas, je la rectifie. Donc, mon mari, il retourne le mercredi pour après aller jusqu'au samedi. Et rebelote, ainsi de suite. Alors, par contre, c'est compliqué. D'habitude, je fais les vidéos toute seule. Je suis vachement plus concentrée. Et là, j'ai ma bille de clown là, qui n'arrête pas de rigoler. Donc, forcément, mais on va y arriver. Donc, ce matin, je suis allée donc au marché et je suis allée récupérer mon pain. Donc, mon pain, c'est simple. Hop là. Donc, on prend. Vas-y, amène les deux. Hop là. Génial. Mon assistant, au top. Tiens, tu peux m'enlever le sachet parce qu'il va faire du bruit après. Voilà. Enlève d'un coup. Pose par terre, impeccable. Donc moi voilà, nous on prend en fait deux pains. Tiens, je te mets plutôt comme ça sera peut-être mieux pour toi. Hop là. Bon, tu verras, de toute façon, j'en mets un peu partout. Donc j'ai un pain au celt, enfin un pain celt, et puis un pain au noix, hein, parce que je te disais, voilà, nous on n'aime pas les pains, les baguettes toutes simples. Donc voilà, donc ça, général, tranché, hein, bien sûr, parce que comme ça, bah, c'est carrément mieux. Donc voilà, donc ça, mon pain, j'en ai pour 4 euros. Hop, on continue. Je vais ensuite. Ah non, ça c'est moi. Oh là, bah, attention, j'ai failli choper des trucs. L'année dernière, pour la fête des pères, je n'avais pas d'idée et on a une petite boutique dans notre petit village qui s'est ouverte et qui travaille avec des vignerons de Bourgueil, puisque bien évidemment je suis dans la région centre, hein, donc qui dit centre dit vin. Donc comme je n'avais pas d'idée de cadeaux, eh bien, j'ai offert à mon mari une carte découverte. Et donc, en fait, nous allons tous les mois, alors on y va aussi entre deux fois, hein, mais on va du coup récupérer, voilà, on fait des découvertes de bouteilles. Donc, je lui ai pris un abonnement pour un an, donc on y va une fois par mois. Et donc, il choisit en fait deux bouteilles au choix. Alors, des fois, c'est trois, enfin voilà. Hein, donc, on prend généralement du rosé, du rouge. Bon, bah là, forcément, bien évidemment, on prend du rosé. Bien frais. Voilà, donc ça, où j'en ai eu du coup pour 14,80 € alors que je budgétise généralement 20 euros. Voilà, là il me reste un petit peu, donc tu te dis bien que 14,80 €, j'ai donné un billet de bain, j'ai un billet de 5, c'est trop cool. Hop là, et ça, voilà. Bon. Et ensuite, je suis allée donc voir mon petit primeur, et alors là, voilà, ça c'est là-bas, c'est la folie, parce que bah voilà, je ne peux pas absolument pas te dire le prix d'un truc en particulier. Donc on avait besoin de bananes, donc on a pris. Hop là, des bananes. Alors, je vais essayer de te les mettre comme ça, mais voilà, merci mon chou. Donc, je vais te mettre les bananes en fait ici. Donc, je ne sais plus, je pense que mon mari elle lui a demandé bah, un régime, il y en a mis deux, bien évidemment. Ensuite, on avait besoin de poivrons. Donc, on en a pris un rouge et on en a pris un jaune. Comme il va faire très chaud cette semaine, bien évidemment, je pense que l'on est parti dans tout ce qui est salade, crudité, tout ça. Donc, nous avons pris un concombre. Merci. Alors ça, je sais que bah, il nous les a pas fait payer. Voilà, hein. On avait besoin juste d'un petit réassort de patates parce que on a un plat dans la semaine prochaine où voilà, il nous fallait 3-4 patates. Et en fait, bah, voilà, c'est carrément mieux de les prendre en vrac plutôt que de prendre un filet de 2 ou de 5 kilos alors qu'on n'en a vraiment pas besoin, surtout pas à cette époque de l'année. Donc en fait, bah, voilà, hein, on a les 4 patates qui sont gracieusement offertes. Voilà. Alors, moi, donc la semaine, j'ai pas le temps parce que je suis à la course, mais le week-end, c'est-à-dire donc le samedi et le dimanche. Attends, attends, bouge pas, chouchou, parce que là, ça fait trop de bruit avec les sachets. Le samedi et le dimanche, j'ai mon petit jus d'orange pressé, bien sûr. Donc, je prends toujours bah, mes 4-5 oranges, voilà, à jus. Donc, il me fait mon jus d'orange pour le samedi et le dimanche. Donc, voilà. Et, oh! Ça, c'est meilleur. Après, il ne reste plus. Non, on est bon.
Et là, du coup, bah, il m'a mis, je sais pas, il y a un peu plus d'un kilo des nectarines jaunes, parce que bah, moi, bien évidemment, je n'aime pas les nectarines blanches. Ah, bah, bien sûr, voilà. Puis, bien évidemment, c'est les meilleurs, comme l'a dit mon fils. Tu vois, hein, je ne te trompe pas, je ne l'ai absolument pas acheté pour qu'il le dise. Il a le droit à sa petite dégustation tous les dimanches quand on y va. Bah, il a eu droit à deux d'ailleurs. Tu as eu droit à la banane aujourd'hui et puis la nectarine. C'est ça. Ouais, bah ouais, impeccable. Donc, tu vois, du coup, parce que voilà, hein, il faut absolument goûter avant d'acheter. Donc, voilà. Et bah, écoute, pour tout ça, j'en ai eu pour 16,90 €. Donc le total m'a fait 35,70 € entre le pain, le vin et bah, les fruits. Et puis bon, bah, les petits. Enfin voilà, le primeur. Donc il me reste bah, 24,30 € sur mes 60 € hein, que j'avais prévu pour le marché aujourd'hui. Donc ça, bah, voilà, c'est génial. Je te fais juste ce petit retour de marché. Je te ferai vraiment jamais de retour de course parce que bah, le retour de course, comme c'est du drive et que c'est mon mari qui y va, donc bah, ah, je t'assure, lui, il filmera rien. C'est clair. Ne t'attends pas à ce qu'il fasse une vidéo, hein, je te préviens tout de suite. Voilà, et bah écoute, je te souhaite un bon début d'après-midi parce que je pense que j'essaierai de te remettre une autre vidéo soit en fin de soirée, soit du coup, ce sera demain, selon comment je vais avoir le temps de la filmer. Et te la mettre en ligne. Voilà, bah pour le bilan de la semaine qui vient de se terminer, les enveloppes pour la semaine prochaine, le menu de la semaine, et puis voilà, on est bon. Et bah écoute, bah non, je pense qu'au final, ce sera beaucoup plus simple. Je vais te souhaiter un bon week-end. Bisous, à bientôt! Salut! Alors attends, cette fois-ci, alors attends, bouge pas, il va y avoir des mains de partout. Allez, vas-y, c'est à toi de t'appuyer.